وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Sourate Al-Asr, c'est une sourate que les Sahaba, radiyallahu anhum, avaient l'habitude de réciter quand ils se séparaient de leurs assises. Ou ça leur arrivait de réciter cette sourate quand ils se séparaient de leurs assises. Pourquoi cela? Cheikh Al-Albani, rahimahullah, a expliqué cela en disant quelle est la condition essentielle de la fraternité. Tout le monde parmi son assise a répondu, certains ont dit ceci, certains ont dit ce, chacun a tergiversé, a donné son avis. Et le cheikh a dit, la condition essentielle de la fraternité, c'est le bon conseil. An-nasiha. Le bon conseil, la loyauté et le bon conseil envers ses frères. La fraternité en islam, elle doit être basée sur la loyauté et le bon conseil. Il a dit, c'est pour ça que les sahaba, radiyallahu anhum, citer ou réciter cette sourate en se séparant. Car leur fraternité et leur lien, ils étaient basés sur la loyauté et le bon conseil.